Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, quelque chose d'un petit peu particulier. Vous le savez, Halo Infinite, on se rapproche de plus en plus de la sortie de ce jeu. C'est un jeu qu'on attend depuis des années et je suis face à un problème et j'espère que vous allez pouvoir m'aider. C'est le but de cette vidéo aujourd'hui. Apprenez-moi à jouer à Halo, s'il vous plaît. Voilà, je suis un joueur depuis 2004 de Halo. Je me suis surtout concentré sur la campagne. Je n'ai joué au multijoueur qu'à partir de 2010 environ, juste avant la sortie de Halo Reach. Avant ça, je n'avais pas le live. Et alors, passer le stade de c'est magique, en fait, de jouer en ligne, de se faire buter par des ricains et de pourquoi pas, de temps en temps, arriver à buter du ricain, pouvoir jouer avec un pote en ligne, passe une espèce de frustration de se dire « Putain de merde, pourquoi est-ce que j'arrive pas à faire des choses ?» Alors je sais qu'il y a des espèces de codes partout qui peuvent t'aider à t'améliorer, sauf que ces codes, je ne les connais pas. Certains joueurs proches de l'e-sport, voire e-sport, à l'époque, m'avaient donné quelques petits conseils que j'essaye de toujours mettre en application aujourd'hui, mais eh ben, ça ne marche pas tout le temps, et si ça se trouve, mon esprit malade les a un peu détournés, et je ne les applique plus de la bonne façon. Donc, ensemble, j'espère qu'on va réussir à faire quelque chose pour que je sois prêt pour Halo Infinite et que je puisse potentiellement, le jour de Halo Infinite, faire des gameplays potables pour vous. Donc vous voyez, c'est une espèce de cercle vertueux et ça commence maintenant, aujourd'hui, avec cette vidéo. Il y aura un épisode tous les deux dimanches, parce que vous le savez, vous les avez déjà vus, il y a des démos sound de Halo Infinite, un dimanche sur deux. Donc voilà, en gros, cette série de vidéos est là pour combler les trous. Je comble les trous. Voilà, je trouve que c'est bien dit, comme ça. Donc on va se lancer en social, hein, on va pas aller s'amuser à faire de l'e-sport ensemble, on n'est pas fou. On va commencer par du 4v4, parce que je pense que c'est le plus simple. Même si moi, ce que je préfère le plus, c'est le tous contre tous. Voilà. Le free-for-all, le rumble pit sur Halo 3. Voilà, donc j'espère que la recherche de joueurs ne va pas être trop longue. J'ai pas mal joué à Halo pendant ce confinement. Ça m'a permis d'améliorer un petit peu mon skill. Et vous allez voir que mon skill est tout à fait extraordinaire. Puisque quoi que je fasse, j'ai environ 0,7 de ratio. Voilà, quoi que je fasse, quels que soient les halos, le seul halo où j'ai réussi à avoir plus de 0,7, c'était Halo Reach. Halo Reach où j'avais quasiment eu 1 de ratio à la fin du jeu. Et là où on a vraiment beaucoup de chance, c'est que nous allons jouer, cette partie va être sur Halo 2. Et Halo 2, c'est le halo où je suis le plus bidon en ligne. Voilà, c'est vraiment cool. En comparaison, Halo 2 Anniversary, c'est celui où je suis pas le meilleur, hein, mais où je me démerde pas trop mal. Manque de peau, hein, on est tombé sur... voilà, ça m'emporte. Ah, c'est pas grave, on va avoir de la hauteur. Alors, je vais pas vous dire des techniques, je joue pour cette partie. C'est vous qui allez me dire comment je peux m'améliorer. Et dans la partie prochaine, dans deux dimanches, j'essaierai d'appliquer vos conseils pour m'améliorer et on fera ça ensemble, petit à petit. Voilà, ça m'a perturbé que je meure. Pourtant, normalement, ça devrait pas me perturber, j'ai l'habitude. Voilà. Donc après, autre petit inconvénient, je précise, je ne suis pas à la place où je joue d'habitude. Je suis un petit peu en décalé par rapport à la télé, parce que j'enregistre en même temps ma petite voix pour que vous puissiez m'avoir en direct live. Alors lui, je l'ai pas vu venir. Faudrait peut-être que je regarde le radar aussi. Ça, c'est un truc que vous allez sûrement me conseiller. Regarde ton radar, connard. Voilà. Donc, je mettrai un pouce bleu à toutes les personnes qui, en commentaire, mettent « Regarde ton radar, connard ». Mais ça m'aidera pas parce que c'est quelque chose que je sais. Allez, on va un minimum essayer de... Je sais même pas si j'ai terminé ma dernière phrase où je disais qu'en fait, j'étais pas à la bonne place pour jouer. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse quand en face, il y a un FDP de sniper, hein? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Voilà, bah y a rien à faire. Y a rien à faire. Alors aujourd'hui, cette vidéo sort à J-1 avant la fin du confinement, ou peut-être le dernier jour du confinement, selon comment on voit les choses.
Donc je devine que la plupart d'entre vous vont aller s'amuser, aller se balader dans les rues de votre ville et profiter des chaudes journées qui commencent à arriver. Et qu'en fait, vous allez plus en avoir rien à foutre des vidéos qu'on fait et de ces vidéos-là qu'on s'échine à faire. J'ai l'impression que je suis la seule personne qui crève, en fait, dans cette équipe. En fait, il n'y a juste personne qui tue. Bon, on va essayer de faire quelque chose de potable, un minimum, parce que j'ai quand même un minimum de respect pour vous. Le truc, c'est que c'est pas forcément évident de jouer et de parler en même temps. Surtout quand on est bidon. Et oui, parce que j'arrive à parler en même temps que je joue. Mais je vais me mettre à tourner en rond sur la carte. Je vais sauter et marcher sur des murets. Voilà, le genre de truc que vous avez forcément envie de voir en vidéo lorsque vous regardez une vidéo sur la chaîne Allo.fr. Ah, bon, vous allez avoir des choses à dire là. Soit vous allez avoir des choses à dire, soit vous allez rien avoir à dire tellement il n'y a rien à dire en fait. C'est désastreux. Je me trouve quand même assez désastreux. Après, je suis tombé sur Halo 2, qu'est-ce que tu veux faire? Ah non, là c'est pas possible. Là c'est pas possible. Si je vous file un bon gros paquet de fric, vous la bouclez ou pas? Sur Halo 2, voilà. Bon, c'est pas parce que c'est la fin du confinement lundi qu'il faut arrêter de porter les masques. D'ailleurs, ces masques, je pense qu'il y a des choses très intéressantes à faire avec. Du genre... En fait, je pense que ça va devenir des objets de mode après... Genre, il va y avoir des masques en cuir, il va y avoir des masques en latex, selon les genres de personnes. Bien sûr, ne les jugeons pas, ils ont le droit d'avoir des masques en latex. Mais surtout, les hommes, je pense qu'il va y avoir des styles de barbe qui vont avec. Genre, la barbe rasée dessous sous le masque. C'est... Parce que ça sera le genre de truc, tu vois, un petit peu intime. Quand tu enlèves ton masque, tu fais « Ah, oui, Oh, oh, alerte au Google ! Alerte au Google, les enfants ! » Chose que tu ne vois pas normalement s'il y a la personne qui a le masque. Comme tu peux trouver une fille extrêmement vulgaire parce que son masque est légèrement détaché et tu vas voir la commissure de ses lèvres. C'est l'avenir de demain, donc je pense qu'il faut y réfléchir aujourd'hui. Mais oui, c'est clair. Pendant ce temps, ben, vous voyez, je fais rien du tout sur la game. Hein, je ne sais pas parler, raconter de la merde et tuer des gens. Mais oui, c'est clair. Je vois pas les mecs. Je suis en mode concentration. Comment il dit Deadpool ? Effort maximum ! Effort maximum, voilà, il dit ça. Ben là, je suis en effort maximum de concentration. Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Pardon. Oh, je suis heureux, c'est tout. Je suis trop fort. Bon, j'aurais au moins réussi à tuer quelqu'un. J'espère qu'il y aura des analystes dans les gens qui regarderont pour dire... que ce que j'ai fait, c'est quand même du skill, hein, c'est pas juste de la chance. Je me rends compte à quel point c'est lamentable en fait ce que je suis en train de vous faire parce qu'on est à je sais pas combien de minutes de vidéo. Il est passé où ? Voilà, alors ça c'est quelque chose de débile que j'utilise, que je viens de faire. Le lancer de grenades sur le mur, c'est quelque chose qu'on m'avait appris il y a quelques années et que je continue toujours aujourd'hui à essayer de mettre en place régulièrement parce que c'est assez utile. Voilà, donc genre quand tu fuis comme ça dans un petit couloir, hop, la grenade au pied du truc pour qu'elle reste bah, par terre et que ce soit le mec derrière qui suit qui se la prenne. Voilà, ce genre de petits détails que j'essaye de mettre en place mais qui marche pas tout le temps. Voilà, c'est le principe de base que quand moi je joue, ça marche jamais. Mais quand c'est les autres personnes qui font, ça marche. Donc voilà, quelles sont les raisons pour lesquelles moi ça marche pas et eux, ça marche. J'ai besoin de vous, me lâchez pas. Aujourd'hui, je m'ouvre à vous, vraiment. Hein, je vous parle de se raser la barbe sous le masque, des filles vulgaires parce que tu vois leur commissure des lèvres, et de mon skill minable. Voilà, donc... Sachez que à chaque fois que je fais une game potable, quand je joue, je l'enregistre. Au cas où un jour je fasse un gameplay, n'importe quoi, que ce soit sur ma chaîne personnelle ou sur Allo.fr. Et il faut savoir qu'il y a environ une partie sur 75 que j'enregistre. Mais j'augmente parce qu'avant c'était une sur 100. Donc il y a quand même tout de même un progrès. Après il y a des heures de jeu, je pense, où c'est plus simple de jouer que d'autres. Genre là en ce moment je suis en train de jouer, c'est 18h11. Je pensais que ça allait être plus simple.
Bon, faut dire aussi que je suis pas dans la bonne équipe, hein, parce que 22 à 31. Je l'ai tué. Je m'en fous, ça compte, je l'ai tué, j'ai les médailles. Voilà, bon, il s'est suicidé le mec, mais ça compte quand même. Je l'ai poussé au suicide. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça compte, non? Hein? Vous êtes pas dans le... S'il vous plaît, pas que ça compte. J'en ai rien à foutre. Ah, voilà. Donc, je suis sûr qu'on va me dire aussi, va chercher des armes puissantes. Mais voilà, là, il y a un problème. Est-ce que aller chercher des armes puissantes, ce n'est pas être un petit peu noob? Parce que, on parle bien souvent, l'EBR, c'est la meilleure arme. Il faut le skill, c'est OBR, tatata, peut-être le sniper. Mais est-ce que ce n'est pas un peu... Putain de truc de merde! Est-ce que ce n'est pas un peu... mais attends, mais je l'avais lui, bon je m'en fous, je te tibague. Est-ce que ce n'est pas un petit peu... Il m'a tué à la guillée, je l'avais vu, mais je l'avais pas vu, je l'ai raté! Il m'a tué! Il était invisible! J'avais envie à bomber! Moi aussi j'avais envie à bomber! J'ai perdu mon envie à bomber! J'ai perdu le seul avantage! Le seul avantage qui pouvait m'aider à gagner, à faire quelque chose! Vous voyez à quel point j'ai besoin de vous, parce que l'intégralité de mes parties ressemble plus souvent à ça. C'est des accidents quand j'arrive à faire des bonnes parties, les bonnes parties que vous pouvez voir de temps en temps, qui sont des parties assez minables. Alors s'il vous plaît, ouh, c'est pas passé loin ça. S'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi parce que bien souvent, je pète un câble, je balance la manette à travers la maison. Voilà. À la limite, sur un jeu genre Battlefield, genre Call of Duty, genre Battlefront, que je mets une fois dans l'année là, dans la console, si je suis bidon, et ben c'est pas grave, parce que ben j'y joue jamais. Mais allô, putain, j'y joue tout le temps. Ouais, je vais partir en véhicule. Oui, ma triste... Ah, j'ai cru que c'était fini, tiens. J'ai cru que le cauchemar était terminé. Pas du tout. En plus, on est sur Halo 2. Je sais pas, il y a peut-être des problèmes de connexion, de trucs sur Halo 2, dites-moi, c'est peut-être moi, enfin, il y a des problèmes de connexion quand tu tires, moi je tire pas sur les gens, hein. Ça, c'est un autre problème. Mais qu'est-ce qui s'est passé encore, putain? Oui, tu voyez, je suis en vidéo, j'essaie de me montrer agréable pour vous, et je commence quand même à m'énerver, donc ça monte quand même le level, tu vois, quand je suis pas avec vous. Vous êtes un moyen de me détendre. Oh, regardez. Ça y est, je suis chaud. Je vais tous les démonter. Ouais. Allez, aidez-moi à trouver. Radar, il y a un radar, il dit rien. Le radar, il dit rien. Ah, le radar, il dit quelque chose. Ah ben oui, ben, il a pris le ghost que je voulais prendre tout à l'heure. J'avais oublié son existence à ce ghost là. Bien sûr, putain. Là, il y en a eu un. Il y en a un. On va le chercher. C'est dans quel sens qu'il y a eu un mort? C'est dans ce sens qu'il y a eu un mort? Le radar, il dit quelque chose. Ouais, mais il va être en hauteur, c'est ça, il va être en hauteur. Moi, je vais me faire surprendre et je vais me faire niquer. Putain, j'ai peur. Je monte rapide. Je joue en sensibilité 4, ou peut-être 3,5, j'ai peut-être baissé. L'invisibilité, c'était ça qui m'avait tué tout à l'heure. L'invisibilité, plus le fusil à pompe. Il doit y avoir un fusil à pompe dans le coin. Est-ce que ça voudrait pas dire que le mec était en train de camper comme un gros connard? Que peut-on faire face aux campeurs comme des gros connards? Je vous le demande sérieusement. Là, si je suis invisible et que je monte dans un... Mais pourquoi ils me voient alors que moi je les vois pas quand ils sont invisibles? Il a le truc d'Halo 4 là qui permet de... Mais non, mais allez vous faire foutre. Mais non. Il peut voir à travers les murs, il a un détecteur de chaleur, il y a quelque chose comme ça pour... Non, mais sans déconner, c'est quoi le jeu? Allez, je me lance, je tente, je fais, là c'est bon, je suis mort, voilà. J'ai quand même réussi à un petit peu tirer avec le... Hein, qui ne tente rien n'a rien, j'ai tenté, j'ai rien. Voilà. Comme quoi, cette phrase... Ah, mais c'est vrai, il y a le dual machin truc. Oh putain. Bon, c'est peut-être parce que je prends trop de temps, je suis trop indécis, c'est mon côté féminin. Je m'excuse auprès de toutes les femmes qui peuvent regarder cette vidéo. Ma copine me fait un doigt au loin. Oui, parce qu'elle est très loin, on a une très grande maison, elle est très loin. Vous avez peut-être entendu rire parce qu'elle se fout de ma gueule.
Bon, ben voilà, le cauchemar est donc terminé. Vous avez pu voir que j'ai 104 en chiffres, parce que je trouve que Fred, c'est le Spartan le plus badass et le plus puissant. Alors, pour essayer de me donner de la force et du courage, j'ai mis ça, mais en fait, ça marche pas du tout. Voilà, moi, je prends trop de place dans le truc pour que ça fasse quelque chose. Voilà, donc je pense qu'il y a du travail pour arriver à faire quelque chose de positif. Hein, donc je suis à l'écoute de tous vos avis, de tous vos commentaires. Je suis certain que certains d'entre vous vont dire qu'il vaut mieux que j'arrête de jouer, qu'il vaut mieux que je me suicide. On me dit ça depuis que j'ai commencé les vidéos en 2007. Oui, parce que j'ai commencé les vidéos, des montages, avant de faire du multijoueur. Ouais, je faisais du montage en écran partagé, tout ça. Il n'y avait pas beaucoup de contenu, quoi. Et puis, c'était filmé avec une caméra. Ah, mes débuts. Là où je ne savais pas encore que j'étais une grosse... Ah, putain, il relance une partie, mais je veux pas que tu relances une partie. On se dit à très vite, à très bientôt. Et n'hésitez pas dans les commentaires à vous lâcher, à me donner tous les conseils que vous pouvez. Oh, putain, encore Halo 2, en plus. Oh, je vais souffrir. En plus, sur Gémeaux. Oh, putain. Je veux pas que vous voyez ce massacre. On se retrouve dans 2 semaines pour faire mieux grâce à vos conseils. J'essaierai de m'entraîner entre-temps avec vos conseils. Donc, n'hésitez vraiment pas. On se lâche. À très vite. Vive Halo !